Buena tarde. Hola, buenas tardes. Siento interrumpir las conversaciones en curso. Ya veo que, y me alegra que os sentís más o menos como, como en vuestro propio salón y que estáis ya discutiendo unas y unos con otros. Y bueno, y me alegro de nuevo también de veros aquí por, para la segunda sesión de este seminario absolutamente excepcional. Os agradezco también la... el buen ambiente de ayer y la, la conversación intensa de ayer y esperamos que hoy sigamos en este mismo tono. Bueno, hoy la, la sesión será un poco más corta que la de ayer porque, como sabéis, a las 7 tenemos una performance que ha sido organizada también por nosotros y por Rasha, Salti y Kristine Khouri, casi como, como cierre de este seminario. La performance es a las 7 en el atrio del museo. Todos los que habéis venido tenéis un ticket rojo del museo con el que podéis entrar a la performance en el atrio. Lo que es importante es que sí que tenemos que acabar a las 7 menos 10 para poder llegar a tiempo. Con lo cual, bueno, pues hoy tenemos un, quizá un tiempo un poco más corto para, tanto para las conferencias como las sesiones de pregunta y respuesta. Así que rápidamente, sin más pausa, presentaré. ¿Sí? 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 Todo está bien. El que no la tenga, el que no la tenga, no pasa nada, que habrá alguien que os la dará cuando salgáis si la habéis, si la habéis perdido. Perdona, pero bueno, pasamos a otra cosa. Permitidme que, no sé dónde está Alfredo. ¿Alfredo? ¿Alfredo se nos ha ido también? Bueno, Rasha, do you want to go and find Alfredo? Yeah. Okay. Bueno, quería deciros que con respecto a lo que habíamos anunciado en el pequeño papel de presentación, vamos a invertir el orden y hablará primero Alfredo Jaar y en segundo lugar Catherine David. Alfredo Jaar creo que no necesita mucha presentación, deciros simplemente que es uno quizá de los artistas chilenos más conocidos, un artista exiliado en Nueva York desde hace ya muchísimos años y que ha trabajado en muchos contextos artísticos distintos y que se caracteriza sobre todo porque creo por ser uno de los artistas contemporáneos que de manera más, más sutil e inteligente ha trabajado la relación entre arte, política y emancipación. Es un gran placer que esté hoy aquí con nosotros. Él nos había confesado que la tarea que le habíamos pedido era particularmente difícil y que esperaba también ver la, la exposición para poder tomar un poco el pulso del, del proyecto, así que le agradecemos que se haya sometido a este ejercicio. Muchas gracias por venir, Alfredo, y también un caluroso, una calurosa recibida para ti. Bueno, gracias. Estoy encantado de estar aquí. Gracias por venir. Quiero primero agradecer a Rasha y Kristine por una muestra magnífica y también a Bartomeu por el coraje de hacer esta muestra. No es tan simple, no es tan fácil. Y también a Paul y Highway por su asistencia impecable. Mi presentación va a durar 6 horas y 33 minutos. Así que les ruego que tengan paciencia. Unas palabras sobre la muestra. Encuentro que es una muestra muy generosa y muy inteligente porque parte de un tema específico de la situación del arte palestino, pero lo proyecta hacia otras, a otros casos, lo que se llamaría case studies en inglés, y entonces abre la muestra. Y se ha comentado mucho que es una muestra sin arte. Y encuentro que justamente lo interesante no es que no haya arte, es que la muestra en sí es una obra de arte. Es una obra de arte total, lo que se llama un Gesamtkunstwerk. Eso es lo que es esta muestra. Y eso es muy difícil de lograr.
sin físicamente tener obras de arte en el espacio. El título de mi presentación hoy es difícil, porque he sido un artista por casi 40 años y se me vuelve cada vez más difícil ser un artista, no más fácil. Y la pregunta que me hago todos los días es cómo hacer arte en el mundo y en el estado en que está el mundo de hoy. ¿Cómo se hace arte hoy? Y no tengo respuesta. Y es por eso que soy artista. Todo lo que he aprendido del mundo, lo he aprendido siendo artista. Y soy un artista porque me ayuda a entender el mundo. La cultura y el arte se han vuelto hoy fundamentales, porque el espacio de la cultura es el único y el último espacio de libertad que nos queda. Y eso posiciona al espacio de la cultura en un lugar extraordinariamente privilegiado, radical y responsable. Es el último espacio de libertad que nos queda. Y esta muestra es un modelo de pensar el mundo. Y solamente hoy se puede hacer en un espacio cultura. Todavía no se puede hacer en un espacio real. Ahí está el valor del espacio de la cultura. A mí siempre me preguntan en entrevistas, pero ¿qué ha hecho la cultura? ¿Cómo a la cultura ha afectado el cambio? Deme un ejemplo, por favor. Un buen ejemplo. Demuéstreme que la cultura afecta el cambio. Bueno, sería el motivo de otra conferencia, pero hace unos 30 años, un escritor para serie de televisión en Estados Unidos, se le ocurrió escribir una serie de televisión donde había un presidente negro. Y tuvo mucho éxito. Enseguida, raperos empezaron a cantar canciones que comentaban un presidente negro. Y apareció una película con un presidente negro. Y otra serie televisiva. Y un par de novelas. El mundo de la cultura creó un espacio donde existía, sin ningún problema, un presidente negro. La cultura inventó a Obama y creó el espacio necesario para que Obama surgiera. Ahora, dicho esto, Obama ha sido una gran decepción. Así como Mitterrand fue una gran decepción y como Tony Blair fue una gran decepción. La política nos ha fallado. La política ha fallado estrepitosamente. Otra razón por la cual el espacio de la cultura es un espacio fundamental. Entre otras razones, porque nosotros los artistas creamos modelos de pensar el mundo. Las luces, por favor. Esta imagen representa el momento que cambió el mundo. Hay muy pocas cosas que suceden hoy en nuestra vida diaria que no están relacionadas con este hecho. Pero por una coincidencia extraordinaria, el 11 de septiembre ya estaba grabado en la mente de ustedes, catalanes, desde hace mucho tiempo, y en la nuestra, nosotros los chilenos y los latinoamericanos, desde el 11 de septiembre de 1973. Aquel día, un golpe militar
mató al presidente Allende, el primer socialista elegido democráticamente en América Latina. Y ocurrieron 17 años de dictadura. Y la imagen que representa para nosotros, los chilenos, ese momento clave que cambió nuestras vidas y que cambió mi generación, es esta imagen de la moneda en llamas. Esta es la última imagen que se tiene de Salvador Allende, el presidente, antes de morir. Era un hombre bueno que quería cambiar el mundo, que creía honestamente que podía cambiar Chile y el mundo con la política. En las calles de Santiago aún se encuentran grafitis que dicen: el ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. Me invitaron hace un par de años a conmemorar los 40 años del golpe. Y yo quería trabajar con esta imagen que está impuesta en nuestra memoria, esta imagen de la moneda en llamas. E hice este proyecto. Ubicamos el lugar exacto donde esta toma había sido hecha y ubicamos una cámara allí que filmó el 11 de septiembre del 2013, durante una hora, la moneda, entre 11:45 de la mañana y 12:45 de la tarde, justo cuando ocurrió el bombardeo. Yo quería reemplazar en nuestra memoria esta imagen que no nos deja dormir. Quería crear una nueva memoria. Esta imagen fue transmitida a 30 canales de televisión por todo el mundo en vivo y también la teníamos expuesta en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Santiago, de manera muy sencilla, con la foto original y con el video en vivo. También se transmitió por internet a través de la red del museo. Un intento simple, modesto, sutil de cambiar una memoria. Las obras que he elegido para hoy son todos ejercicios de memoria en respuesta a lo que escuchamos ayer de los dos ponentes. Ejercicios de memoria. Los llevo ahora a Santiago, la capital de Chile, a visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es un gran edificio cuya fachada está cubierta de cobre. Fue diseñada por un grupo de arquitectos brasileños y está sentada sobre dos piletas de agua que reflejan el edificio y creando una plaza. Y me han invitado a crear un memorial para las víctimas de la dictadura de Pinochet. Yo como arquitecto inmediatamente decidí no competir con este edificio y hacer una obra en el underground, en el interior, en el subsuelo, en la plaza. Entonces al memorial se puede entrar antes o después de visitar el Museo de la Memoria, donde se cuenta la historia del golpe y de los 17 años de la dictadura. No se me requirió absolutamente nada, me dieron completa carte blanche. El espectador es invitado a bajar 33 gradas. La obra se llama La geometría de la conciencia. Y llegamos al nivel menos 5 metros.
es todo de concreto y vidrio negro, no hay diseño, y uno va a entrar por la derecha y salir por la izquierda. Y vamos a entrar a un espacio, a un lobby, un hall central que mide 5x5x5 metros, totalmente vacío, con pequeña luz indirecta a los lados. Y hay un guardia del museo que nos da la bienvenida. Bienvenido a la geometría de la conciencia, nos dice. Por favor, apaguen sus teléfonos y guarden silencio en el interior del memorial, donde estarán por 3 minutos. Él abre la puerta del memorial y entramos a la oscuridad más absoluta. Por 1 minuto. 1 minuto de silencio y oscuridad. Después de este minuto, poco a poco, se empiezan a iluminar en el fondo del memorial unas luces. Y este proceso de iluminación va a ocurrir en 90 segundos. E irán de 0% a 100%, a un punto que van a enciegar al espectador, ensieguecerlo. A medida que uno se acostumbra a la luz, se da cuenta que los dos lados laterales son espejos, reflejando al infinito el muro con las siluetas. Este muro está compuesto de dos tipos de siluetas. La mitad son víctimas de Pinochet, gente que ha sido asesinada por el régimen militar. Los llamamos los desaparecidos. La otra mitad son chilenos que están vivos hoy. Gente anónima que fotografié en las calles de Santiago. Es por esta silueta que sale la luz que ilumina al espectador que entra al memorial. Gente como Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, que fue asesinado por la Junta. Con un sistema muy simple, creamos el contorno y sacamos la cara. E hicimos lo mismo con cientos, con Jenny, Luis, Santiago, Elizabeth, Héctor, Jorge, Elsa, Rafael, Antonio, Marta, Jacqueline, María, Víctor, Raúl, a medida que nos acostumbramos a esta luz que nos enseguiese, descubrimos esta perspectiva infinita con millones de caras. Yo no quería crear un memorial para 4.000 muertos. Yo quería crear un memorial para los 17 millones de chilenos. Yo quería crear una narrativa colectiva que incluya los vivos y los muertos. En mis investigaciones en torno a estos monumentos y memoriales de derechos humanos en todo el mundo, la mayoría son lugares donde enterramos a las víctimas casi para deshacernos de ellos. Acá yo quería que estuviéramos juntos. Quería hacer un cambio de modelo. Después de este minuto y medio de luz que nos ciega, se apaga de nuevo, por 30 segundos. Pero ahora no estamos en la oscuridad.
porque nuestra memoria está impregnada de miles de estos perfiles y nos van a acompañar cuando nos vayamos del memorial. La geometría de la conciencia en Santiago de Chile. La primera bomba cayó el 11 de septiembre del 73 a las 12:10 de la tarde. Y esta fue mi primera obra de arte. Yo estudié arquitectura y me encantaba lo que se llamaba letra set, que son unas letras de plástico. Hoy es un objeto prehistórico. Entonces decidí hacer esta composición con la fecha del golpe y con la primera bomba. Y la guardé. Y se transformó en una obra de arte. Me obsesioné con el 11 de septiembre. Era la fecha que había cambiado mi vida. Creé un calendario donde a partir del 11 de septiembre, cada día después es un 11. Aquí hay un detalle. En mis cuadernos de la escuela, me encontré mucho después con hojas y hojas, con el 11, 11, 11. La obsesión por este momento que cambió todo. Me hice mago para cambiar el mundo. No me resultó. Por la censura, mi padre estaba abonado a muchas revistas extranjeras. Y en una revista francesa me encontré con esta imagen de Susan Meiselas, que pertenece al grupo Magnum de fotografía. Y era una foto sacada en Nicaragua de un soldado que toca clarinete en una situación de guerra. Inspirado por esta imagen, creé una obra que consistía en inspirar fuertemente en un clarinete, soplar fuertemente y repetir el proceso hasta agotamiento total. La llamé Opus 1981. Yo no sé tocar el clarinete. De hecho, 20 años más tarde, un amigo músico me dijo, Alfredo, lo que pasa es que tienes el clarinete al revés. Y si se preguntan por el estilo de mi pelo, les aseguro que estaba muy de moda en esa época. Opus 1981. Cuando llego a Nueva York en el 82, empecé una serie de trabajos de memoria porque durante la dictadura no se podían ver las imágenes de la dictadura. Había censura. Y yo quería ver qué había pasado en esa semana fatal del 11 de septiembre. Yo no sabía, no tenía un imaginario de esa semana por la censura. Entonces encontré una serie de imágenes en la prensa, compré diarios y revistas antiguas, e hice una serie de obra que se llamó Caras, donde simplemente recorto la foto de esta escena y hago un blow up de una cara, sin palabras. Yo pensé
que no necesitaba decir nada, que solamente estas caras en ese momento lo dirían todo. Por ejemplo, este hombre está fotografiado en el Estadio Nacional. Este hombre sabía que iba a morir y su cara lo comunica. O esta chica que está escondida detrás de tres hombres en el lado derecho. No la vemos en una foto, pero si hacemos el blow up, ahí la vemos en toda su totalidad. Y es la imagen más triste. Caras del 82. Esta es otra cara. Como sabemos, Estados Unidos, gentileza del señor Kissinger y el señor Nixon, fueron los que financiaron el golpe. Yo me obsesioné con Kissinger e hice una serie de trabajos sobre este señor. Les voy a mostrar solamente uno que hice recientemente. Tuve una retrospectiva en Berlín y en esa época el señor Kissinger iba a visitar Berlín. Fue justamente el 11 de septiembre de 2012. Entonces elegí los tres periódicos más importantes de Berlín y pusimos avisos que decían: arresten a Kissinger. Lo hicimos en los idiomas de todos los países donde él cometió sus crímenes de guerra y contra la humanidad. Desde Vietnam a Indochina, a East Timor, a Chile, Brasil, etc. Cuando me preguntan, pero ¿no es un gesto fútil hacer esto? ¿Para qué sirve? Y yo contesto, no desestimemos la emoción de las víctimas al ver este aviso. El artista tiene esta capacidad de crear modelos diferentes de pensar el mundo. El proyecto Kissinger en Berlín. Esta es la Casa Rosada en Buenos Aires. Acabo de inaugurar un memorial para las víctimas de la dictadura argentina. La Plaza de Mayo es conocida mundialmente porque aquí ocurren aún cientos de protestas contra la dictadura. Ellos no se han olvidado, no se quieren olvidar. Estas son las abuelas de la Plaza de Mayo. Empezaron siendo las madres de la Plaza de Mayo. Están haciendo esta manifestación los jueves y los domingos de cada semana, desde 1977, porque no quieren olvidar. Hoy su lucha ha cambiado, porque descubrieron de que muchas de las víctimas de la dictadura argentina eran mujeres embarazadas y los niños fueron robados por familias militares. Y estos niños han crecido con familias militares. Entonces están exigiendo a una serie de jóvenes que se les haga una prueba del ADN para descubrir si son hijos de estas familias militares o son hijos de los desaparecidos. Y hace 3 meses, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo encontró a su nieto. Es en este contexto que el Parque de la Memoria me invita a crear un memorial. Aquí hay un monumento a las víctimas del terrorismo de Estados
Es interesante pensar de que los argentinos insisten en llamar este monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. No es un juego semántico, es una decisión política llamarlo así. Este parque está ubicado al norte de Buenos Aires y se encuentra allí este monumento, que es un monumento de piedra donde hay espacio para 30.000 nombres, que es la cifra presumida de las víctimas. Los nombres están organizados por fecha. Miguel Rodríguez, Omar Ojeda, 19 años, Danilo Nadaluti, 19 años, Miguel Ángel Jiménez, 19 años. ¿Qué puede hacer un chico de 19 años para matarlo? Marta Vaccaro, 22 años, embarazada. Cuando nació este Parque de la Memoria, aparte del monumento, invitaron a algunos artistas a crear obras en el parque, esculturas. Voy a compartir con ustedes un par. Este es un artista que se llama Claudia Fontes, que creó una escultura en el agua, porque los militares tiraron muchos cuerpos en el río. Entonces esta escultura hace alusión a eso. Y este otro artista, Nicolás Guanini, crea un retrato de su padre y uno tiene que posicionarse de manera tal para ver la cara de él. Para mi memorial hicimos lo siguiente. En un lugar secreto del parque, que nadie conoce, decidí construir una celda enterrada a 4 metros bajo tierra. Es un cubo de concreto que mide 2x2x2. Y tenemos una cámara que está filmando permanentemente 24 horas al día un rincón de la celda. Tenemos un tubo de metal que mide 2 metros que sale al terreno para iluminarlo de manera muy leve. Ahí está la salida, que está muy discreta. Está recubierta de vidrio para que nada entre. Y esta es la muestra que hicimos en el museo. A la izquierda estaba la muestra sobre mi proyecto chileno de resistencia, que se llamó Estudios sobre la Felicidad. Y a la derecha estaba el ingreso al memorial, que se llamó Punto Ciego. Uno entra a un espacio oscuro y llega a una sala cuadrada en cuya esquina hay un monitor en el suelo y se ubica perfectamente en el eje del espacio. Este sería el espacio. Y aquí está lo que la cámara está filmando día y noche. Yo quería transformar este espacio en la celda. Quería sentarme aquí en la celda. No se ve nada. No se ve absolutamente nada más que esta esquina que cambia según la luz del exterior. Y donde el visitor se asienta y acompaña a aquellos que todavía los argentinos están buscando. Porque este monumento a las víctimas del terrorismo del Estado tiene solamente 10.000 nombres. Hay 20.000 huecos que están esperando a ser llenados.
Punto Ciego, en Buenos Aires. Hace poco el Premio Nobel de la Paz se le ofreció a la comunidad europea. Fue un escándalo. Una comunidad que se ha transformado en una fortaleza que se ha dedicado a expulsar inmigrantes. Yo he trabajado mucho con este tema y me gustaría compartir con ustedes dos o tres proyectos muy rápidamente. Aquí está la ceremonia donde está el señor Barroso recibiendo este premio. Me gustaría empezar con Francia, donde se están expulsando de manera dramática a los gitanos. Esta política de expulsión empezó con el señor Sarkozy y ha seguido incluso de manera más radical con el señor Hollande. Otra excepción de la política. Los gitanos en Francia hasta hace muy poco necesitaban un carnet de circulación para poder moverse dentro de Francia, a pesar de tener la nacionalidad francesa. Esto es Carmen Ortica. Me invitaron a participar en la Trienal de París e hice un pequeño video de 3 minutos que me gustaría mostrarles. Es muy simple. Por 2 minutos y medio me dedico a mostrarla a ella, a reconocerla, a mostrar su instrumento modesto, a diferencia del público. Y solamente en los últimos 30 segundos
la cámara se echa para atrás y descubre dónde está, en esta plaza frente al Pompidou, este templo de la cultura francesa. Y la pregunta que yo quería hacer con este video tan simple es, ¿qué han hecho los intelectuales y qué pueden hacer los intelectuales por ella? ¿Qué podemos hacer? Du voyage des gens, en París. En Londres, el Daily Mail pregunta, ¿cuántos más podemos aceptar? Hay camiones que caminan por todo el Reino Unido que dice, usted está ilegal aquí, váyase o lo arrestaremos. En Suiza, una campaña infame que logró el voto y cambió el modelo suizo ahora de integración por esta campaña anti-inmigrante. Observen, por favor, este cartel. Para más seguridad, dice. Pero es en el sur de Europa donde se vive la tragedia mayor, donde cientos de inmigrantes, la mayoría africanos o de África del Norte, mueren en total invisibilidad. La isla de Lampedusa, que pertenece a Italia, se ha transformado en una cárcel a cielo abierto. Y están aquí, esperando una decisión. Pero esta es la imagen que quiere dar el gobierno italiano de Lampedusa, y esto ocurre en un sector de la isla. Pero todo el resto es muy diferente. En Finlandia, hace un par de años, en las elecciones legislativas, un partido anti-inmigrante que se llama Los Verdaderos Finlandeses sacó el 20% de los votos. Uno de cada cinco finlandeses votó por este partido homofóbico, anti-inmigrante y anti-europeo. Yo había hecho un proyecto en Finlandia con respecto a este tema unos años antes. En mi investigación había descubierto, caminando por la ciudad de Helsinki, que tenía una población muy homogénea. Y cuando empecé a mirar las cifras, me di cuenta de que Suecia, Noruega y Dinamarca habían aceptado 1 millón de inmigrantes en los últimos 10 años, pero que Finlandia había aceptado 37. Tienen una política de inmigración muy restrictiva por el hecho de que por 600 años fueron ocupados por los suecos y los rusos. Trabajé con este hombre que es un abogado de los derechos humanos que se llama Matti Wari, que me ayudó a entender la magnitud de la actitud finlandesa con respecto a la migración. Y creé un proyecto que se llamó 1 millón de pasaportes finlandeses. Después de 6 meses luchando contra la inmigración, contra las autoridades de inmigración finlandesa, me permitieron imprimir 1 millón de pasaportes. Pero la condición fue exhibirlo detrás de rejas de alta seguridad y de quemarlos después de la muestra, sin fotografiarlo ni sin filmarlo. Acepté. ¿Por qué 1 millón de pasaportes? Porque había calculado que la mayoría de los países en Europa, el 20% de su población son inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Si Finlandia hubiera tenido una política de inmigración similar a los otros países europeos, deberían tener hoy 1 millón de finlandeses inmigrantes. Estos son sus pasaportes. Yo quería preguntarle a los finlandeses si quieren mantenerse en su insularidad o integrarse a la comunidad europea. Ese año Finlandia quería ser candidato para integrarse a la comunidad europea y al mismo tiempo cerraba sus puertas a otros inmigrantes. Me pareció una contradicción inaceptable.
la obra creó mucha controversia y logramos despertar una serie de emisiones de televisión y la prensa, y por 6 semanas se habló mucho del tema. Pero la reacción que más me emocionó fue un chico finlandés que vino a ver la muestra y decidió volver en la tarde con su propio pasaporte y tirarlo por sobre la reja en signo de solidaridad. Al final de la muestra tuvimos que quemar los pasaportes y no pude filmarlo ni fotografiar la quema. Pero logré robar 200 pasaportes. Y aún no sé qué hacer con ellos. 1 millón de pasaportes finlandeses en Helsinki. El tema de inmigración también es muy caliente en Estados Unidos, donde Obama ha prometido ciertas cosas y los republicanos se niegan a que ocurran. Entonces el tema es muy candente. Guadalupe Romero, María González, Osvelia Tepec, Alejandro Ramos, Adelaida Hernández, Teresa Vera. Son todos nombres de personas que murieron simplemente tratando de cruzar el borde entre México y Estados Unidos. México a su izquierda, Estados Unidos a la derecha. Han muerto más de 3.000 personas en los últimos 10 años, solamente tratando de cruzar el borde, en el siglo XXI. La ciudad de Tijuana, del lado mexicano, y de San Diego, del lado americano, me invitaron a crear una obra en homenaje a las víctimas, y creé una obra que se llamó La Nube, The Cloud. Y la nube está hecha de 3.000 globos inflados con helio que flota sobre la barrera que divide los dos países. Hicimos una ceremonia, invitamos a los familiares de las víctimas y empezamos con un concierto. Se leyeron poemas. Súbitamente, un cello empieza a tocar del lado americano. La ceremonia se hace del lado mexicano, casi contestándole al concierto. Y aparece un violín del lado mexicano que le contesta. Y la música empieza a pasar libremente de un lado a otro, sin fronteras, algo que los seres humanos no pueden hacer. Enseguida, otra persona sube al escenario y pide un momento de silencio por las 3.000 víctimas. Y al hacer eso, ocurre lo siguiente. Los globos, contrariamente al tiempo normal que el viento los tendría que haber llevado hacia el mar, se fueron hacia México. Por lo tanto, María, Roberto, Adelaida y los otros volvieron a casa. La nube en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cómo se recuerda a los que se fueron? ¿Cómo se recuerda el pasado? Esta es la pregunta que ayer resonaba tanto en la sala. Por eso quise mostrar estos ejercicios de memoria.
En el 87 creé una obra en Times Square donde aparece el mapa de Estados Unidos y anuncia: esto no es América. En referencia de nuevo al lenguaje, a ese lenguaje que dice América a una parte del continente americano, cuando América es el continente entero. Por lo tanto, el lenguaje refleja una realidad geopolítica donde una parte del continente se ha borrado del resto del mapa y se lo apropia. Esta no es la bandera de América. Y América es esto. Esta obra del 87 fue repuesta el año pasado en 45 pantallas diferentes en Times Square. Esto no es América. Esto es Kugal, en Suecia. Esta es la City Hall. Esta es la iglesia. Es una ciudad de clase media que fue fundada hace 30 años cuando una papelera, la papelera más grande del mundo, que se llama Stora Enso, decide crear la mayor papelera del mundo y empiezan a fabricar papel. El papel se llama Tetra Pak y sirve para hacer cartones de leche o de jugo y se vende por todo el mundo. La empresa creó la ciudad de Skugal y toda la arquitectura fue creada por la empresa y toda la financiación de todos los espacios públicos y privados fue creada por la empresa, que necesitaba traer a 3.000 obreros, ofrecerle un hospital, una escuela, una iglesia, y se creó la ciudad en torno a la empresa. Me invitan a hacer un proyecto en Skugal y descubro que no hay constale, que no hay un espacio de arte. Rechazo el dinero que me ofrece la ciudad y pido una audiencia con el directorio de la papelera y les digo: ustedes crearon esta ciudad, ustedes deberían financiar una pequeña constale, no la ciudad. Ellos aceptan. Devuelvo el dinero a la ciudad y la papelera financia el primer museo de papel del mundo. Mide 8 metros de profundidad, 20 metros de alto y 6 metros de altura. Está hecho enteramente de papel en varias capas y de madera ofrecida por la papelera. El cielo es de papel, el piso es de papel. Teníamos mucha luz natural. Y para la muestra inaugural invité a 15 artistas jóvenes a crear obras relacionadas con el papel. Un artista de Estocolmo, por ejemplo, creó esta mesa de origami para que los niños puedan crear esculturas de papel. O esta le preguntó por teléfono a los habitantes de Skugal: ¿cómo es posible que ustedes no quisieran tener una institución como una Kunsthalle en 30 años? Y todos decían: da lo mismo, no necesitamos una. Esta es la inauguración. Vino toda la comunidad porque estaba curiosa de ver de qué se trata este museo. Tocó música a la orquesta de la papelera, porque todo pertenece a la papelera. Y aquí está Leif Bergman, el alcalde de la ciudad, dando la bienvenida y diciendo que a ustedes les parece extraño, pero a mí me parece lógico que este artista de Chile que vive en Estados Unidos venga a Suecia y nos dé un museo. Y aquí está la inauguración. Y como en cualquier inauguración, no se ve absolutamente nada. Esta tal vez es la obra que tuvo más éxito. Esto es unas pocas horas después de la inauguración. 24 horas después, bajamos la bandera sueca e hicimos lo siguiente.
La quema estaba preplanificada. Todo el mundo sabía que yo lo iba a quemar en 24 horas. Yo no quería imponer una institución a una comunidad que no quería una. Solamente quería ofrecerle una visión muy rápida de lo que puede ser un museo. Hubieron protestas, dijeron no, ahora entendemos, guardémoslos. Yo dije no, he trabajado con los bomberos por 6 meses para poder quemar esto de manera correcta. No va a resistir la primera nieve, la primera lluvia. La cosa es que un año después la ciudad de Skugal eligió a la Kunsthalle de Skugal como su edificio más significativo para un libro sobre arquitectura sueca. Y 7 años después me invitaron a volver a Skugal como arquitecto para crear la Skugal, la Kunsthalle de Skugal permanente, que se va a inaugurar en 2017. La idea era crear una institución que no existe y hacerla desaparecer para crear un vacío. Y al existir este vacío dramático, aparecen las ganas de tenerlo. Dedicamos este proyecto a Mónica Johansen, una artista local que no tiene dónde mostrar su trabajo, y sugería al alcalde que ella sería la artista que va a inaugurar el museo. Rasha, how much time do I have? No? Should I stop here? It's really a pity. I'm so sorry, but otherwise we won't have time for it. Okay, so I'll show one more project. Voy a terminar con otro proyecto memorial de presencia y ausencia. Todo esto es en respuesta a la presentación ayer de Elías, que me impresionó muchísimo, y quería hablar un poco de este tema de la memoria y de la presencia, de la ausencia y del vacío. El 11 de marzo del 2011, a las 14 horas 46 minutos y 23 segundos, un terremoto de grado 9, de magnitud 9, en la escala Richter, en Japón. Este terremoto duró 6 minutos. Las olas del mar que provocó este terremoto tenían 40 metros de alto. Hubieron 15.833 víctimas fatales, 2.667 desaparecidos, que lamentablemente se transformaron en víctimas fatales más tarde, y 6.145 heridos. La palabra Fukushima, que fue uno de los centros del terremoto, se transformó en una palabra casi equivalente a Hiroshima o Nagasaki. Lo más grave fue que habían 4 reactores nucleares que fueron afectados por el tsunami y que provocaron radiaciones 1000 veces más altas de la aceptable. Y después de la destrucción del terremoto, fue el tsunami que completó la tragedia. Y fueron escenas de devastación total en el norte de Japón. Fui invitado a crear una obra memorial para las víctimas y voy a llegar rápidamente a ella. En mi investigación fui 4 veces a investigar, a visitar la zona del desastre. Me empecé a dar cuenta que había muchas escuelas donde habían muertos niños que no se habían escapado a tiempo estos niños. Y visitando estas escuelas, descubrí que en algunas de las paredes todavía estaban los pizarrones. Y decidí enfocarme a los pizarrones porque hice un estudio muy rápido de la edad de los chicos que se habían muerto en el tsunami
y el tiempo que habían dedicado de su vida a estar sentado en esta sala de clase mirando estos pizarrones. Y había descubierto que se habían dedicado 15.000 horas de su vida a mirar estos pizarrones. Por lo tanto, pensé que estos pizarrones eran sagrados, que tenían la mirada de estos niños que habían querido construir otro mundo en estos pizarrones, con su creatividad, con su inteligencia, con su conocimiento. Y no lo pudieron hacer. La obra se llamó Umashimenkana, que significa We shall bring forth new life, que está basado en un poema de Kurihara Sadako. Esta es una poetisa extraordinaria, activista antinuclear, que escribió un poema la noche donde ocurrió Hiroshima. Y ella le dio la luz a una guagua, a un bebé, en Hiroshima, de una vecina. Y escribió este poema que se llamó Umashimenkana. Demos luz a una nueva vida, dice el poema. En esta obra conseguí traer los pizarrones a un gran espacio y los iluminé con una luz muy breve, muy minimal. Estos pizarrones que recibieron estas 15.000 horas de miradas. Y esto es lo que hicimos. Cada 3 minutos proyectamos la palabra Umashimenkana. Demos vida a una nueva vida, escrito por niños de la zona de la misma edad de aquellos que murieron. Cada 3 minutos aparece este texto escrito a mano y desaparece en los diferentes pizarrones al mismo tiempo. Por lo tanto, el efecto es así. Uno está en el espacio y súbitamente cada 3 minutos se proyecta y desaparece. Umashimenkana, Umashimenkana. Demos luz a una nueva vida. Demos luz a una nueva vida. Y al centro de este espacio teníamos una pequeña escultura que consistía en tizas de colores que yo encontré en estas escuelas. Aquellas tizas que sirvieron a estos niños para significar su conocimiento, para impregnar el pizarrón de su conocimiento. Entonces yo quería crear esta isla de creatividad, de vida, en el medio de este espacio oscuro y triste. Umashimenkana. Demos luz a una nueva vida. Gracias. I hope everybody understands why it is, I find it whenever possible, absolutely necessary to have Alfredo Jaar part of one's events. Thank you so much, Alfredo, your generosity and your brilliance, as always. We have time for one question. So my egoistic and narcissism will win again. To make a link between yesterday and today, between you and Elias, Elias said yesterday, quoting a poem and a text by Mahmoud Darwish, late Palestinian poet, he was talking about exile, and he said that exile opened the world to him and to a lot of Palestinians.
It seems that exile has opened the world to you, but it seems to have gone that you are also in another place. You are inhabited with memories of Chile, of the Pinochet coup d'etat, and then your these beautiful projects, these fantastic projects, they come. You seem to have to be carrying memories of other traumas, other painful events. You began by saying you perceive your place in the world as an artist to understand the world. You make art to understand the world. But there you are traveling almost constantly, and in traveling in geography, but also in history, and placing yourself as a carrier of memory or as a mediator of memory. Just would you, has your being an exile done this to you, opened you to the pain of others, or to quote Susan Sontag, or would you like just to dwell a little bit on that? Mm-hmm. English or Spanish? Up to you. Español. Muy bien. Gracias, Rasha. La verdad es que el exilio fue un elemento, pero yo siempre he dicho y explico que nosotros somos el resultado de todos los estímulos que recibimos. No es solamente un estímulo, somos la suma de todos los estímulos que recibimos. Y obviamente el vivir el golpe militar fue un estímulo fatal, ¿no es cierto?, que me cambió el ser. Pero el hecho de vivir mi infancia, por ejemplo, en una pequeña isla que se llama Martinica, que fue la cuna de la negritude, donde M. Césaire escribió sus trabajos sobre el anticolonialismo, por ejemplo. Yo viví 10 años ahí, fui a un lycée Chalchère, donde que vio nacer a Césaire, a François Fanon, a Édouard Glissant, etc. Eso también me influenció muchísimo, el hecho de vivir en Nueva York, que antes del 11 de septiembre de 2001 era una isla de libertad, que no era los Estados Unidos, pero después del 11 de septiembre se transformó en Estados Unidos, a un punto casi intolerable. Y tantas otras experiencias que he ganado viajando por el mundo y con la generosidad de la gente que me acoge y que me invita a hacer proyectos. Yo siempre he dicho que para ser un artista, para actuar en el mundo, necesito entender el mundo. Entonces, en el fondo, todos estos proyectos son excusas para tratar de entender el mundo. El arte me abre las puertas de mucha gente en el mundo que me acoge y que me ayuda a entender el mundo. Es un privilegio extraordinario. Yo creo que un poco eso lo que explica lo que yo he sido capaz de hacer. Y es la generosidad de la gente la que me ha permitido llegar a donde he llegado. Generalissimo Paul Preciado says we have to stop. Siento tener que dar paso. Me perdonáis porque realmente muchísimas gracias a Alfredo por la maravillosa conferencia y por compartir con nosotros tu trabajo de manera tan generosa y en diálogo con las sesiones de ayer. La verdad es que creo que estamos todos también emocionados por la presentación de Alfredo y nos cuesta pasar a la siguiente conferencia. Pero bueno, tenemos que hacerlo porque si no, Catarina habría venido y no la dejaríamos hablar, ¿no? Yo creo que, bueno, así que invitaros a que dejemos paso a Catherine. Alors, après l'intervention de Catherine, on va... Je sais. Après l'intervention de Catherine, il y a une performance de Guinader qui aura lieu à l'atrium de Musée. Et donc, mais par contre, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est on peut continuer à parler ensemble
dans les musées. Donc on va se retrouver autour d'une bière, on peut continuer à parler ensemble. Donc si vous souhaitez continuer là-bas, je pense que ça sera le plus simple. Voilà. Bueno, y dar paso ahora, por tanto, a la intervención de Catherine David, a quien agradecemos muchísimo también que haya venido hasta aquí con una agenda complejísima. Creo que conocéis muchos de vosotros y de vosotras a Catherine David. Es curadora y historiadora del arte. Bueno, ha vivido en múltiples lugares, pero reside desde hace mucho tiempo en Francia. Creo que es una de las agentes culturales e interlocutoras fundamentales para entender cómo de alguna manera ha habido este diálogo, se ha establecido un nuevo diálogo de representaciones árabes contemporáneas y de modernidad árabe en el contexto europeo. Ha sido, entre otras cosas, comisaria de la documenta de Kassel y de muchos otros lugares, y es hoy directora adjunta del Museo de Arte Moderno de París en el Centro Pompidou. Muchísimas gracias por venir, Catherine, y disculpas anticipadas por el poco tiempo que te vamos a dar para que intervengas hoy, pero de verdad que os invitamos a todas y a todos a que participéis después, si queréis, en una sesión más abierta de diálogo y de debate cuando hayamos acabado la performance en el atrio del museo hacia las 7:30 o algo así. A las 7 podemos ir al atrio del museo y tomamos una cerveza y nos reunimos todos, y ahí tendremos la sesión de preguntas y respuestas tanto con Catherine como con Alfredo Jaar. En francés. Catherine va a hablar en francés. ¿Habrá traducción solamente al español? Con lo cual, aquellos que no habléis español o francés, lo sentimos mucho por esta ocasión. No, teníamos que elegir una sola lengua de traducción, así que, bueno, aquellos que no podáis entender ni el castellano ni el francés, os quedaréis sin traducción. Oh, yes, that we don't have the translation into English. She will speak in French, so the ones that do not understand French or Spanish, we're very sorry. We didn't have the possibility of having two translations. Okay. La idea era hablar en francés y responder a preguntas en inglés o español para evitar el tiempo de traducción, pero debido a la corrida donde estamos, francés. Sí, y hablaremos, insisto, que para dejarte también suficiente tiempo para que puedas hacer tu intervención, si vemos que son las 7 menos 5, menos 10, hora a la que deberíamos quizá ir hacia el atrio, pues a lo mejor seguimos la conversación con Catherine en el atrio del museo. Muy bienvenida, Catherine. Bonsoir. Donc, en dépit du temps qui presse, je vais quand même être polie et remercier mes amis Rasha, Salti et Kristine Khouri de m'avoir invité à intervenir dans ce séminaire qui accompagne l'exposition, et remercier aussi cette maison que je connais bien et que je félicite une fois encore pour la qualité des expositions présentées actuellement, pas seulement la Palestine, mais aussi les autres. Donc je vais faire assez synthétique parce que je n'ai pas trop le temps de développer, mais j'ai essayé de repenser certains points que j'avais envie de discuter après avoir vu l'exposition, parce que c'est une chose de discuter d'un projet, d'en suivre de près, puis après plus de loin les développements, c'est autre chose de voir les iketnongs, les résultats dans un espace temporaire d'un musée. Et parce que, aussi, en écho, je ne sais pas si en réponse, mais en tout cas en écho à certaines questions ou remarques qui ont été faites dans les interventions hier. Alors, à partir du moment où Kristine et Rasha ont commencé à travailler sur ce projet à la fois très spécifique, mais qui posait des questions extrêmement larges, voire massives, d'un travail d'enquête sur ce projet très particulier, très spécifique, qui était l'exposition organisée en hommage à la Palestine en 1978 à Beyrouth, et puis l'élargissement à la question du musée, dedans, dehors, avec ou sans musée. Il m'a semblé intéressant, à partir des sujets qui sont les miens et de la manière dont je travaille, d'être un petit peu moins dans le versant Loss, Metaphor and Emancipation, et d'être un petit peu plus attentif à ce que, me concentrer sur ce que le projet et l'exposition qu'on peut voir en ce moment, enfin je préfère dire un projet,
parce que je pense que c'est beaucoup plus précis. Exposition, dès que vous dites exposition, où que vous soyez dans le monde, quel que soit votre public, les gens s'attendent à voir des trucs ou des choses sur les murs et éventuellement au sol, pour buter devant un tableau, comme disait Barnett Newman. Donc le projet, moi ce qui m'intéresse plus, c'est de le considérer en tant qu'une mise en abîme, mais aussi une réflexion sur ce qu'ont été les très très diverses, alors narratives, c'est pas français ça, discours, histoire, narration, et les nombreux fantômes qui habitent l'art moderne et toute l'histoire de l'art moderne, et je dirais toutes les histoires de l'art moderne, parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas qu'une. Enfin, je vais être assez schématique, et on pourra discuter certains points que j'aurais éventuellement touché trop vite après. Sujet que met vraiment directement, indirectement en lumière le projet qui est actuellement présenté, c'est une question qui me semble extrêmement centrale aujourd'hui, mais c'est un petit peu comme le motif dans le tapis d'Henry James, c'est tellement face à nous qu'on ne le voit pas ou qu'on ne le voit plus, c'est bien avant le mantra postcolonial, because of postcolonial et encore postcolonial, ce qui s'est joué dans l'internationalisme et peut-être plus précisément les internationalismes. Parce que si on veut creuser un petit peu la question et le filon, on va s'apercevoir qu'il y a eu, et je dirais là, alors ça peut poser question, mais vu les champs auxquels je m'intéresse et les différents artistes sur lesquels j'ai travaillé, il me semble que ça commence très très visiblement dans le dernier tiers du 19e et que ça jusqu'à la fin des années 70, hein, la fin de ce qu'on a appelé, alors là, les internationales révolutionnaires. Et celle dont je parle, celle qui m'intéresse, donc le 19e, les grandes internationales qui accompagnent les grandes avant-gardes historiques des années 1905-1915, ce qui suit après la guerre d'Espagne, etc., et puis les néo-avant-gardes des années 60, il me semble que là, il y a un internationalisme, si on veut parler schématiquement, mais il y a, si on regarde plus précisément, des internationalismes dont on ne peut pas dire qu'ils soient tous révolutionnaires, en tout cas au sens précis du terme, mais que certains sont plus des internationales émancipatrices, en tout cas, il y a assez peu d'internationales dont le projet ait été frontalement et assumé un projet de conservatisme, d'académisme, de retour en arrière, ou voire de surplace. Je ne connais pas de texte d'international bâti sur ces projets. Alors vous pourrez me dire, certains peut-être si on les lit de manière ironique ou cynique aujourd'hui, mais ce n'est pas mon propos, on n'a pas assez de temps pour faire les... Donc restons sur des lectures pas au troisième degré. Donc il me semble que si on s'intéresse à ces divers moments, à ces diverses formes d'internationalisme, on va voir assez vite que un certain nombre d'œuvres, un certain nombre d'auteurs manquent évidemment dans les histoires modernes, telles qu'elles ont été écrites, et peut-être plus précisément, parce que l'écriture est une chose, les musées sont une autre, telles qu'elles apparaissent dans les musées, et j'ai le sentiment que c'est aller un peu vite en besogne de assimiler l'écriture du moderne uniquement à ce qui est et ce qui n'est pas dans les musées. Là, je vais passer évidemment à un deuxième point qui me semble extrêmement important. Surtout aujourd'hui, on nous baffine un peu avec cette histoire des relectures, de discussions, des différentes façons d'écrire les développements de l'art moderne. Et finalement, en tenant toujours un petit peu, mais sans vraiment le dire, pour garantie que le musée d'art moderne est l'alpha et l'oméga. C'est le paradigme dominant. Ben, si vous relisez l'histoire du XXe siècle, évidemment, dans ses dimensions globales, c'est-à-dire en regardant les États-Unis, mais aussi l'Inde, mais aussi certains pays d'Afrique, mais aussi l'Indochine, etc., on va s'apercevoir assez vite que le musée d'art moderne, tel qu'il s'est inventé dans les années 20, et il s'est inventé lentement, il n'a pas été présent partout. Et on serait très surpris, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, de voir que ce n'est pas forcément dans les grandes capitales autoproclamées du moderne que les musées d'art moderne ont fonctionné en premier.
Donc, ce qui veut dire que ce paradigme du musée d'art moderne, je dis bien du musée d'art moderne, hein, je ne dis pas le musée en général, je me suis fait allumer une fois au Caire quand j'ai dit le musée d'art moderne, les gens n'ont pas entendu, parce qu'il y a des enjeux symboliques et politiques sur les musées qui font que les gens n'entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre parfois. Donc, je n'avais pas dit qu'il n'y avait pas de musée dans un grand nombre de pays arabes, j'avais dit qu'il n'y avait pas de musée d'art moderne. Évidemment que je savais qu'il y avait le musée d'art pharaonique, évidemment que je savais qu'il y avait le musée coptique, etc. etc. Donc, ce qui apparaît assez vite quand on fait un petit peu l'histoire et qu'on s'interroge sur cette question du musée d'art moderne, ce paradigme apparemment incontournable, dominant et quelque part la doxa, on fait une fois encore à échelle globale, c'est pas la doxa, c'est pas la règle, c'est l'exception. Donc, question évidemment, quid, que s'est-il passé dans les espaces géoculturels et ou dans les pays, ce n'est pas tout à fait la même chose, dans lesquels il n'y a pas eu de musée d'art moderne pour des raisons qui ont à voir, elles sont très diverses, ça a à voir avec l'économique, ça a à voir avec le monde culturel, ça a à voir avec des décisions ou des non-décisions, des décisions politiques, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire que là où il n'y a pas eu musée d'art moderne, il n'y a pas eu d'art, il n'y a pas eu d'artiste, il ne reste rien. C'est totalement faux. Et je crois qu'aujourd'hui, les enjeux sont là, enfin, très importants, à savoir que se passe-t-il pour ce qui a à voir, alors soyons pragmatiques, et la conservation, pour qu'on puisse débattre sur des œuvres, il faut qu'elles soient conservées, en vie ou en photo, parce qu'on connaît malheureusement beaucoup de cas pour lesquels, quand on cherche une œuvre de tel ou tel artiste, on n'a plus accès à l'œuvre, parce qu'elle était détruite ou parce qu'on ne la trouve plus depuis tellement de temps qu'on a de fortes raisons de penser qu'elle est détruite, et on travaille avec des photographies, et parfois pas des bonnes photographies, et parfois aussi avec des méthodologies assez discutables qui font que ce que vous pensez être le nom du collectionneur, en fait, c'est le nom du photographe. Sauf que ça a été mal inventorié. Bon. Donc, de savoir pas fait. Et là, évidemment, selon les espaces géoculturels dans lesquels on travaille, on a vraiment un monde qui s'ouvre, à savoir que si on commence à travailler en ce sens, on va être obligé de re-questionner la notion de l'artiste. Qu'est-ce que fait qu'un artiste dans des situations où il n'y a pas de musée, où il n'y a pas de collection, en tout cas publique, où il n'y a pas d'espace de visibilité? C'est quoi un artiste? Ça peut être un sujet qui s'autoproclame artiste, et on a des cas extrêmement savoureux. Ça peut être un sujet du temps, va être reconnu par certains groupes, voire par une communauté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, comme un artiste, etc. etc. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps à Singapour des traces d'un monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était un peu artiste et qui était très ami de Zawuki, qui ensuite est parti à Paris avec la carrière que l'on sait, et qui lui est resté dans son trou, mais dans son espace singapourien, et qui s'est dit, mais bon, finalement, qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas grand sens. C'était les années 40, et il a décidé de repartir dans son village et de faire ce à quoi il avait été formé, être instituteur. Il s'est baladé ensuite de village en village. Il a constitué une archive absolument incroyable des conditions de vie, donc des photographies, des mémoires. Il a continué à dessiner. Il a dessiné beaucoup, évidemment, les portraits, les situations locales des populations avec lesquelles il vivait. Quel est le statut de ce monsieur? Question, et le statut de ce monsieur est en train d'évoluer vers un statut d'artiste parce que un artiste contemporain singapourien a décidé de lui consacrer sur ce qui reste, les traces de l'activité d'un sujet dont le positionnement était undefined. Ça peut être un certain type de question. D'autres questions, ça peut être collection. Il n'y a pas que les musées qui font collection et des collections qui deviennent publiques. Dans bien des cas, vous allez vous retrouver avec la collection d'un groupe religieux, la collection d'un voisin de palier qui a été vraiment touché quand l'artiste est mort ou a eu des péripéties dramatiques, a recueilli les œuvres chez lui au bout de 30 ans.
frappe May et vous demande de faire quelque chose, de les emmener dans un musée ou de l'en débarrasser. Ça peut être une université, ça peut être dans le cas indien Shantiniketan. Shantiniketan, ce n'est pas un musée. Shantiniketan, c'est une vision de Rabindranath Tagore, c'est une école, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de transmission, c'est un lieu de méditation, c'est aujourd'hui un lieu de mémoire. Oui, on conserve une mémoire, mais pas au sens strict, puisqu'on vit à Shantiniketan, puisque ça se transforme. Ce n'est pas figé, Shantiniketan. C'est un lieu, en tout cas, de conservation, et dans des conditions plutôt satisfaisantes, de ce que Tagore a pu laisser, tous les gens qui ont travaillé avec lui, beaucoup, beaucoup du fond d'un artiste incroyable qui n'a vécu qu'à Shantiniketan, avec les gens de Shantiniketan et les villages autour, qui est Kaminka Rai, qui est vraiment un sculpteur absolument exceptionnel, qui a été relu récemment, puisque à partir du moment où il n'est pas beaucoup sorti de Shantiniketan, à part Tagore et les Indiens, pas grand monde ne s'intéressait aux travaux de cet artiste. Je ne peux pas rentrer dans des détails. C'est aussi un cas absolument exceptionnel, Rai, au sens où il a été très reconnu, très aimé, voire chéri par les Indiens pour le travail de sculpture qu'il a fait en hommage aux populations aborigènes qui vivaient autour de Shantiniketan. Il était tellement connu pour ça que quelque part, ça avait un petit peu jeté le voile sur une autre partie de sa production que je ne lis pas du tout comme opposée ou comme schizophrène, mais une autre partie de sa production qui, quand vous la voyez, si on ne vous dit pas que c'est Rai, vous pensez que c'est entre Jacob Epstein et Lipschitz peut-être. Donc une production moderniste extrêmement impressionnante dans le travail des formes, etc. Donc tout ça, ça veut dire que la question aujourd'hui, c'est d'abord de s'interroger sur le fait de savoir si le musée d'art moderne est l'alpha et l'oméga, la seule façon de procéder. De questionner, évidemment, pas dans le vide et pas dans une théorie complètement fermée, abstraite, mais par rapport à des cas très concrets qui nous sont... soumis, à savoir que des individus, des groupes ont affaire avec des mémoires, que ce soit des œuvres, que ce soit des documents, et qu'il faut faire circuler. Moi, j'étais très, très étonnée quand j'étais en Inde récemment de voir que la jeune génération, les jeunes gens qui travaillent, j'ai pas envie d'être curator, c'est devenu tellement n'importe quoi, maintenant n'importe qui fait du curator, des jeunes gens curieux, pour certains d'entre eux extrêmement érudits et qui s'intéressaient à la tradition moderne de l'Inde, qui s'intéressaient à ce qui me semble fondamental dans la tradition moderne de l'Inde, à savoir ces rapports extrêmement complexes. Et là, on n'est pas dans le folklorique sur lequel s'est penché Elias Sanbar hier, mais on est vraiment dans ce que j'appellerais le vernaculaire. Toute autre catégorie que le folklore, parce que le vernaculaire, c'est vivant, le vernaculaire évolue, le vernaculaire est une ressource, mais aussi une force de transformation. Donc les relations très complexes en Inde entre l'espace du vernaculaire et les espaces de ce qu'on peut appeler le high modernism, qui existe très tôt en Inde. Donc ces jeunes gens ne sont pas obsédés par l'idée d'ouvrir un musée. Les seules personnes vraiment obsédées par les musées d'art contemporain, maintenant en Inde, ce sont les collectionneurs. Et là, ce n'est pas le propos aujourd'hui de cette discussion, mais on serait dans les mêmes paradigmes. On fait sa collection, généralement très vite, collection souvent de spéculation, et on fait son musée pour asseoir l'affaire et quelque part cadrer le projet. Donc ces jeunes gens ne sont absolument pas obsédés par des projets de muséaux, mais sont beaucoup plus attentifs à des questions qui sont des questions de base, mais aussi des questions fondamentales pour des questions de culture, mais aussi pour des questions politiques avec un P majuscule. Comment faire circuler, comment rendre à un plus grand nombre, donner accès à cette mémoire, cette tradition moderne indienne qui n'est pas toujours connue de tous les Indiens. Ils sont beaucoup, tous les Indiens, mais qui n'est pas connue d'un assez grand nombre d'Indiens. Et ben, ça donne des projets, là je ne vais pas m'étendre, vous pouvez aller online et les consulter. Ça donne des projets comme celui développé à Clark House Bombay par Sumesh Sharma et les gens qui travaillent avec lui, où c'est tout un travail de relecture, de sauvetage de documents, de présentation, d'accompagnement d'artistes qui sont parfois fort âgés, etc., etc.
Il me semble que d'un côté, ça peut sembler extrêmement fragile si nos repères sont des grands musées déjà historiques comme MoMA ou Beaubourg, ou même si nos repères sont des collections de branding Vuitton et consorts. Ce n'est pas ça dont on parle. Donc il me semble que ce n'est pas non plus ça la question. La question, c'est plutôt essayer de trouver d'autres façons de faire mémoire, donc de conserver, de mettre à disposition, évidemment, de commenter et de... Une archive qui n'est pas commentée, utilisée, ça ne sert à rien, sauf à se faire plaisir, parfois. Donc, ce n'est pas du tout le propos de, cette jeune génération en Inde. Et là, on voit que, sans musée d'art moderne, hein, parce qu'en fait, en tant que tel, il y a peut-être éligible à ce statut la National Gallery de Delhi, mais qui n'a jamais vraiment très bien fonctionné, et dont le projet est quand même intéressant, puisque la National Gallery de Delhi, elle est née comment ? Le jour où Nehru... à la fois flatté, mais aussi bien encombré du don de la famille d'Amrita Shirgel, qui était une Shirger, qui était une artiste qui est morte très jeune, et avec un nombre d'offres assez important, aussi un parcours exceptionnel. Mais je n'ai pas le temps de rentrer là ce soir. En tout cas, quand Nehru s'est retrouvé avec cette, plus de 200 œuvres données par la famille à l'Inde, il a dit « qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Et donc, il a appelé... il a fait appeler certains de ses collègues et collaborateurs. Il a dit « faites-moi un musée ». Et la National Gallery de New Delhi, le département moderne, a commencé avec l'accueil de la donation des œuvres d'Amrita Shirgel. Donc il me semble qu'à cet égard, il faut être extrêmement attentif au fait que la question de... ce que j'appellerais pour les modernités sans musée, d'art moderne, hein, j'entends bien. Bon, ce n'est pas une exception, mais à bien des égards, c'est une des règles du XXe siècle, une fois encore, si on le considère dans sa dimension globale. Évidemment, c'est pas, ça pose des questions de méthode, comme j'ai essayé de lister comme ça très vite, sans doute en oubliant des choses importantes, mais ça pose aussi des questions d'ordre politique au sens noble et surtout aussi de politique culturelle, parce qu'évidemment, face à ça, vous avez différentes façons de réagir. Et pendant les 20 dernières années, on nous a absolument convaincus que, d'abord, cette non-existence était un manque, et je pense que dès que vous commencez à parler d'un manque, vous avez tendance à... D'abord, c'est pas neutre, le manque. Vous avez tendance à vouloir le combler et vous avez ce que j'appelle les stratégies de suture, pour faire vite le Guggenheim. Vous n'avez pas de musée, on va vous en coller un, tout fait, tout propre, tout, et vous vous débrouillez avec ça. Les Espagnols, vous êtes malheureusement très bien placés pour voir que cette stratégie, elle a ses limites et vous avez été bien servi avec un Guggenheim. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas la seule solution. C'est pas non plus la seule solution d'avoir ces musées qui font des musées de brand, qui font des musées où finalement le grand intérêt pour les pouvoirs politiques locaux, c'est d'avoir un espace de reconnaissance symbolique et tout le monde se lave les mains de ce qu'on pourra faire à l'intérieur. Donc je pense que c'est pas forcément la solution souhaitable, désirable. Alors évidemment, ce que je dis, un économiste ne l'entendrait pas comme ça et certaines formes d'intérêt économico-politique non plus, puisque les musées ont de beaux jours devant eux. On n'en a jamais autant construit. Simplement, quand on me répond ça, je dis aux gens, écoutez, oui, mais alors là, il faut être un petit peu précis. De quoi me parlez-vous ? Et c'est vrai que le mot de musée, le nom de musée, est devenu un objet sans qualité. Hein, sans qualité au sens de musil, pas sans qualité de mauvaise qualité, mais au sens sans qualité distinctive. Quand on consulte le dictionnaire, quand on connaît l'histoire des musées, de là, le musée est fondé normalement dans un lieu avec une collection qui, si elle n'est pas publique au début, a envie ou volonté de le devenir, que cette collection s'adresse à un groupe de personnes qui peut être plus ou moins petit, ça peut être une petite communauté, ça peut être un groupe
plus grand, ça peut être une nation, et c'est aussi un endroit où une collection, elle évolue avec le temps, donc ça implique vraiment des durées, ça implique des décisions qui sont généralement critiquées ou acceptées, ou entre les deux, mais ça fait débat pendant très très longtemps. Aujourd'hui, j'ai, ça choque quand je dis ça, mais je l'ai vu, donc c'est, ça existe, vraiment n'importe quel idiot, avec un chéquier qui est alimenté à hauteur de millions de dollars, on peut vous faire un musée dans l'année, il n'y a pas de problème. Ça se fait, ça. C'est les architectes qui traînent un peu la patte, parce qu'ils ne peuvent pas aller assez vite, même quand ils ne sont pas bons. Bon. Donc ce n'est pas de ça dont je parle. Et c'est vrai que quand on est en Chine aujourd'hui, les musées, moi ça m'a gaffé, cette histoire de musée, mais de quoi vous me parlez? C'est un truc vide, il n'y a pas de collection. De temps en temps, on met un machin sur le mur, vous me dites que c'est un musée. Bon. Et je m'en suis ouverte à un ami chinois qui s'appelle Johnson Chang et qui m'a dit, mais t'as tout compris? Il me dit, c'est pas des musées. Dans 3 ans, on appellera plus ça comme ça. C'est de la récupération de l'espace public qui nous a été confisqué pendant la... Et après, évidemment, qu'on en fera autre chose, parce que si on a rien que la région de Shanghai, vous avez 40 musées prévus pour les 5 prochaines années. Vous imaginez? Vous mettez ça à échelle de la Chine, on sera dans des bâtiments, dans des institutions. C'est parfois difficile de parler d'institutions quand il n'y a pas de règles, quand il n'y a que du capital qui circule et du real estate. C'est un peu difficile. C'est quoi le statut? Est-ce que c'est une institution? Moi, j'appelle ça des objets non identifiés. Ils ne sont pas volants, parce qu'ils sont grands, mais ils sont non identifiés. Donc, si vous voulez, tout ça, ça pose quand même un certain nombre de questions. Pour rester en Chine, vous avez quand même maintenant la situation un peu bizarre qu'une très, très grande partie des œuvres qui ont été produites pendant la Révolution culturelle et qui l'ont accompagnée sont dans des mains privées. Puisque quand la Révolution s'est terminée, quand le régime chinois a sinon changé, s'est fortement infléchi vers des stratégies moins directement socialistes ou pas que socialistes, socialistes capitalistes, ont eu vite fait de... C'est débarrassé, c'est-à-dire que des œuvres qui étaient conservées dans des musées ou dans des lieux publics chinois ont été fourguées à des privés pour ne plus qu'on ait ça sous les yeux. Alors, vous savez, généralement, le refoulé, il n'y a pas besoin d'être un grand freudien pour savoir que ça fait retour. Et avec le temps qui passe, on a en ce moment, il y a quelques mois à Shanghai, j'ai vu le catalogue, des expositions qui se font fort de présenter certains aspects des œuvres, des travaux produits par les artistes pendant la révolution culturelle. Donc, ça m'amène à un troisième, vraiment, je fais troisième point, donc de qu'est-ce qu'un musée aujourd'hui? Est-ce que c'est la seule solution? Non. Surtout quand on a affaire à des modernités qui se sont développées autrement, avec d'autres acteurs, avec d'autres non-règles. Et donc ça m'amène à quelles sont les formes possibles. Alors si je vous les énumérais, ce serait déjà plus toute la dimension presque, sinon utopique, en tout cas... questionnante de ma question serait déjà, si je les connais, toutes les solutions, c'est plus très intéressant et la question se pose moins. Donc il me semble qu'au moment où nous sommes, et l'exposition et ce qu'elle, quelque part, ce qu'elle induit, ce qu'elle nous invite à aller lire ici et ailleurs, et entre parenthèses, ce serait un autre chapitre, mais enfin c'est quand même très intéressant de voir en même temps l'exposition sur la Palestine et Carole Rama qui a été jusqu'à date relativement récente. Et moi, je ne l'ai pas connue, mais je l'ai rencontrée il y a déjà bien longtemps à Turin. C'est déjà une dame assez exceptionnelle et assez haute en couleur. Carole Rama a été jusqu'à très récemment, non pas un paria, mais pas vraiment une artiste que vous rencontriez au centre des temples de l'art moderne. Bon. Donc je pense que quand je dis ça induit, ça veut dire qu'en Palestine et ailleurs, à Beyrouth et ailleurs, dans des expositions d'hommage et ailleurs et à travers, il y a évidemment toute une constellation de travaux, d'idées, de regroupements, comment est-ce qu'on peut dire ça,
d'intensité qui vont fonctionner à un moment, qui vont être enregistrées éventuellement par certains groupes, mais qui ne vont pas l'être évidemment à autre échelle. On ferait bien aujourd'hui, c'est des questions qui sont tellement massives qu'on n'ose même pas se les poser, est-ce qu'il y a une histoire ? Eh bien, si vous allez au MoMA, quand vous allez au MoMA, vous voyez bien que l'histoire moderne que raconte le MoMA n'est pas tout à fait la même histoire que raconte le Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, que je connais un peu. Ce n'est pas tout à fait la même histoire qu'on raconte. Les quelques grands noms sont communs, mais ce n'est pas tout à fait la même histoire qu'on raconte. Bon. Alors, hormis le fait que je pense que, et ça c'est sans doute un élément de discorde avec certains de mes collègues, pas Rasha, mais d'autres à Paris, je ne suis absolument pas convaincue que ni le MoMA, ni le Musée national d'art moderne à Paris, ni d'autres grands musées doivent raconter l'histoire du monde, en quoi je suis une fois encore opposée à certains qui s'imaginent qu'on peut... qui ont cette idée qu'on rattrape le temps perdu. D'abord, je ne crois pas trop au temps perdu et surtout pas au rattrapage, et encore moins quand il se manifeste sous les formes de ce que j'appelle one of each. On achète une œuvre de chaque artiste, ce qui fait qu'on redouble le problème, puisque très peu d'artistes peuvent supporter la présentation, la confrontation, la monstration avec une pièce unique. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Et là, je vais être pour une fois diplomate, je ne mentionnerai pas le nom des artistes dont j'ai essayé d'éviter l'entrée dans la collection, y compris des artistes dont je suis très, très admirative, parce que dans un cas de figure où vous avez one, qu'est-ce qui se passe ? L'œuvre de l'artiste en question va être peu ou prou avalée ou aspirée par le paradigme dominant de l'artiste mieux représenté et mieux connu, en tout cas de notre public parisien et international, public de musée, et donc va être complètement phagocyté par un paradigme dominant et pas forcément compris dans sa... pas dans toute, on ne comprend jamais une œuvre dans toutes ses dimensions, mais dans peut-être ce qui est son idiosyncrasie la plus profonde et ce qui a été le propos de l'artiste... fondamentalement. Bon. Donc, il me semble qu'à cet égard, les questions qui se posent ici ne sont pas du tout des questions pour gens riches ou qu'on se pose quand on n'a plus trop d'idées, qu'on ne sait plus trop quoi faire, mais ça me semble au contraire vraiment remettre en question les fonctionnements de grands musées aujourd'hui, des solutions, je ne vais pas dire alternatives. Quand vous dites alternatives, ça veut dire que c'est quelque part, on est toujours alternatif à un état de fait. À du mainstream. Donc là, il faut être quand même un peu vigilant avec le vocabulaire. Je dirais d'autres formes possibles, une fois encore, de conservation, de mémoire, de présentation, d'activation. Bon, et là, une fois encore, le champ est large. On pourrait s'amuser dans un séminaire à commencer à recenser des projets comme le projet de Soumesh à Bombay et comme il y en a un certain nombre. Donc, à cet égard, il me semble aussi que dans les formes possibles, quand on... Alors, on ne l'a pas vraiment discuté, mais quand Elias Sanbar évoquait le musée, un musée du vide, ça m'a évidemment fait penser à un très beau projet, je ne sais pas où il en est, qu'a... ça y est, j'ai oublié son nom. L'Indien, au Rajasthan, notre ami... Bon, je vais vous retrouver son nom tout à l'heure, parce que je ne l'ai plus, je l'ai écrit, je ne sais pas où. Rustam Barusha, qui s'appelle le musée du vent, au Rajasthan, et c'est un musée qu'il souhaite entièrement vide. Il a beaucoup travaillé, Rustam Barusha, hormis son grand livre sur, pour la laïcité en Inde, For the Secular in India, il a énormément travaillé sur ce qu'il appelle les traditions moderne en Inde, et notamment la tradition des musiciens nomades, les traditions maintenues, oui, qui continuent à, non pas à survivre, mais qui vivent avec un certain nombre d'artistes qui n'appartiennent pas aux catégories modernistes. Bon. Et donc, à force de fréquenter ces artistes, à force de parler avec eux, de les voir circuler, de les voir garder mémoire, évidemment, de ce qu'avaient fait les générations antérieures, il y a eu cette idée du musée du vent, qui devrait être un espace vide, et simplement ponctué de balais. Et au Rajasthan, certaines communautés, le balai, quand il a beaucoup servi, c'est comme ça s'émousse, il balaie plus bien, les balais de bois traditionnels. Et on les garde, puisqu'ils sont complètement habités
par l'esprit de la maison, donc on ne peut pas les jeter. Donc on les garde. Et donc il avait eu l'idée de ponctuer l'espace de ces balais. Bon, je ne dis pas du tout que le musée du vent de Rustam Baroucha au Rajasthan, c'est une, doit être une inspiration pour Elias Sanbar. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a des possibles extrêmement... ouvert, et je pense là un possible qui l'a été vraiment puisque le projet a eu lieu, je ne dis pas, je ne sais même pas si dans la salle, je ne dis pas ça pour Bartomeo, Marie, mais ce très très beau projet qu'il avait développé avec Farid Armali à Vite de Vite en Hollande en 1999, qui s'appelait Form Two, et qui était extrêmement attentif à ce qu'on pourrait appeler toutes ces histoires, ces narrations d'après 48 dont on a beaucoup parlé hier et où la, je pense que sans trahir ni Bartomeo ni Farid, on pourrait dire que la lecture, le pari était celui d'identité où le sujet se constituait par le chemin, le voyage. On n'est pas très loin des considérations d'Elias hier sur le, ce que l'exil me fait en tant que sujet. Et que dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas les roots, les racines qui comptent, mais beaucoup plus la route qu'on parcourt, le chemin qu'on fait. Et là, il me semble qu'évidemment, on est à des années-lumière de certaines idées de l'identité, voire de politique de l'identité, qui me semble extrêmement réactionnaire, et que jusqu'à nouvel ordre, l'identité d'un être, d'un sujet, c'est pas tout à fait la même chose, on le connaît, on la connaît quand le sujet en question ferme les yeux. Tant qu'un sujet n'est pas mort, il évolue. Donc cette idée finalement essentialiste des identities, c'est extrêmement compliqué, et peut-être que en français, on est un peu protégé de ces errances, parfois, par un vocabulaire qui est quand même très, très dur, qui s'appelle, quand vous voulez parler de la différence, l'altérité. Et l'altérité, ce n'est pas soluble dans l'eau tiède. L'altérité, ça renvoie aussi à un procès de, non seulement de transformation, mais presque au prix de la détérioration. Quand vous dites qu'un métal est altéré, c'est qu'il brille plus ou qu'il brille moins, c'est qu'il a perdu des molécules, etc. etc. Donc il me semble que, évidemment, ce n'est pas neutre. Là aussi, on ne s'amuse pas à faire des jeux linguistiques pour faire joli, mais que ça, évidemment, ça induit des attitudes, ça induit des façons d'être ensemble qui sont évidemment aux opposés de certaines idées de l'identité. Là, je ne développerai pas, mais quand à un autre moment, il me semble que c'est aussi une attitude qui est extrêmement, sinon opposée, beaucoup plus difficile, mais sans doute beaucoup plus radical dans ce qu'elle nous demande à chacun que ce multiculturalisme qui finit quand même, moi je ne suis pas du tout politically correct, donc je le dis comme je le pense, qui finit un peu souvent « be who you are, stay where you are ». Et ça me semble, dans des cas extrêmes, peut-être limiter les dégâts, mais enfin, c'est quand même pas, comme projet, c'est quand même pas satisfaisant. Donc on me dit, je pourrais effectivement arrêter assez vite. Donc il me semble, pour revenir sur le début de la présentation et en rapport direct avec ce qui est dans les salles juste à côté de nous, que cette, une fois encore, la question des formes possibles de repérage, il faut parfois retrouver les œuvres. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, les retrouver physiquement, mais aussi les retrouver, c'est comme une fleur séchée, il faut la remettre dans l'eau ou dans un contexte. Et ce que j'ai trouvé très, très étonnant, c'est que ça pose évidemment la question qui est massive pour toute l'écriture du moderne, mais encore plus quand on est dans des situations où il y a eu des violent, c'est la question des dyschronies. Et quand on regarde l'exposition, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, alors je ne vous le montre pas, mais il est dans le catalogue, et il est même très exactement à la page 74, et son œuvre avait le numéro 120. Si on regardait, vous le verrez dans le catalogue, l'œuvre de Alfredo Jaar,
qui s'appelle « Martyrs et résurrection », qui était dans l'exposition, et ce n'était pas un petit tableau, hein, 140 cm par 200, ce n'était pas un petit truc, a disparu dans l'affaire, enfin en tout cas, moi je n'ai jamais retrouvé ni la fille, Allah, et qu'on regarde ce travail en regard de deux expositions formidables qu'il avait faites à Beyrouth avant, à savoir « Sang et liberté » en 68, dans les locaux du journal L'Orient. Ce n'était pas encore Le Jour, c'était L'Orient à l'époque. Et l'année d'après, « Amour, mort et révolution » à Dar el Fan, dont s'occupaient Jenner Beyz et beaucoup d'autres. En 69, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage. L'exposition, c'est 78. De la même façon, si on s'intéressait à ce qui s'est passé à Beyrouth depuis les années 60 jusqu'à ce 78, on pourrait s'interroger, je laisserai Rasha sur ce sujet parce qu'elle a sa petite idée, on pourrait s'interroger sur le fait que seuls 4 artistes libanais figurent dans l'exposition, mais on pourrait s'interroger aussi ce qu'on n'a pas fait dans l'exposition, mais je pense à un autre chapitre, s'interroger sur les formes et sur ce que... C'est un momentum extrêmement cabossé. Quand on les met l'une à côté de l'autre, non seulement par rapport au parcours des artistes, hein, Raïef étant peut-être en train de peindre autre chose en 78 que ce qu'il a mis dans l'exposition, et au regard plus large du groupe des artistes qui était invité, savoir avec des partis pris formels extrêmement différents. Donc, une fois encore, moi, j'aime pas terminer sur des conclusions, je n'ai pas la bonne parole. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, je voulais mentionner le très beau film d'Éric Baudelaire. C'est une autre forme de convoquer les mémoires et de ramener sur le devant de la scène, en l'occurrence, c'était un écran, c'est un film, cette complexité des relations humaines idéologiques, formelles, qui ont pu s'inscrire à un moment dans un endroit qui était Beyrouth, ce très beau film qui s'appelle Anabase, 27 années sans images. Et la conclusion très, très provisoire serait que le projet et le pari, parce que je pense qu'il y a un pari derrière cette exposition, le projet et le pari de remémoration, de réactivation, si ce n'était qu'une une remémoration, je pense qu'on serait dans ce que disait notre collègue hier, la nostalgie, mais le projet de remémoration et de réactivation de certains événements, certains rassemblements, certains questionnements qui se sont donnés dans des lieux et des moments où le temps pressait. Et on avait... l'archive de l'exposition a été bombardée. Dans d'autres cas, les gens ont eu des vies ou sont mortes carrément, ou ont des vies qui étaient peu propices à la collection de boîtes, de photos et d'archives. Donc il me semble que c'est vraiment sous des abords d'un chapitre un peu exotique ou périphérique, un questionnement très central, non seulement à la complexité du moderne dans lequel nous sommes encore, mais aussi la complexité du projet d'écriture satisfaisante de cette histoire finalement pas si lointaine. Donc je m'arrête vraiment là, parce que vous avez la performance qui commence. Et ce n'est pas du tout une façon, il y a sûrement plein de choses à discuter, mais j'ai essayé d'aller tambour battant. J'espère que je n'ai pas fait trop de simplifications fâcheuses. Je vous remercie. Bueno, muchísimas gracias, Catherine, y de verdad, perdón también por la prisa que te hemos metido, porque realmente has tenido que trabajar contra el reloj. Y, por tanto, os invitamos a acompañarnos al atrio del museo, donde tendrá lugar la performance, y después, si queréis, podemos tener un debate todos juntos con Catherine, con Alfredo Jaar, pero también con los participantes de ayer, con Elías Sanbar, que está aquí, con Fadi Bardawil. Igualmente tendremos traducción en la sala, así que allí podremos continuar el debate. Entonces, voilà, yo no le di pas en otra langue. Ya te cortaron. Oh, tiens, après, non. Merci.
Merci beaucoup, Catherine. Je suis désolée. Non, non. Je sais qu'elle a interprété, c'est pas possible en fait.